Bonjour, je m'appelle François Boulan. Je suis formateur en mécanique automobile, technologique et pratique. Je forme des jeunes de CAP au bac pro. J'ai été moi-même formé ici dans une partie de mon cursus scolaire. L'intérêt de l'apprentissage est de vous former directement sur le terrain en entreprise. Donc suivant le cursus, si vous êtes en CAP ou si vous êtes en bac, ce n'est pas la même alternance. Vous êtes vraiment dans le monde de l'entreprise. En CAP, on vient chercher surtout de la pratique au niveau du service rapide, de l'entretien. Donc aussi bien du freinage, de la distribution simple, de la suspension, du pneumatique. Dans un niveau supérieur, en bac pro, on vient chercher un peu plus de technicité. Et en BTS, là, on vient chercher de la haute technicité avec la recherche de panne sur des systèmes complexes. Les jeunes, lorsqu'ils sont chez nous, ils sont rémunérés, donc on attend d'eux un certain travail, une rigueur comme dans un garage. On peut venir ici à partir de la troisième, entre 15 et 16 ans. C'est un métier de passionné qui évolue toujours avec l'électricité, l'arrivée du véhicule électrique déjà depuis un petit moment. Il faut être très méticuleux. C'est un métier qui est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Là, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Au 3IFA, on a un taux d'insertion en mécanique entre 75 et 80%, c'est-à-dire 75-80% de nos jeunes en sortie de cursus trouvent un emploi.